amour, encore une nuit difficile, un rêve douloureux. Toi dans les bras d'une autre, en train de lui... Marie a rencontré l'amour de sa vie il y a 2 ans. Hélas, leur histoire est terminée, ou presque. Impossible pour elle de tourner la page. Depuis un peu plus d'un an, elle accepte d'avoir des relations occasionnelles avec lui, en rêvant de le reconquérir. Reviens, je t'en supplie. Je t'aime. Celui que j'aime, j'aimerais vraiment qu'il soit là, j'aimerais qu'on partage des choses ensemble. Et je veux pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre, c'est avec moi, c'est tout, et pour ça que je l'accepterai jamais en fait. Il y a une dizaine de jours, l'amoureux de Marie a décidé de cesser toute relation avec elle. La jeune femme est désespérée. Ça va sinon depuis tout ce temps? Ouais, ça va, bof, hein. Mèche blonde, épilation, elle a même perdu 9 kilos pour lui plaire, mais rien n'y fait. Il y a à m'entretenir, je compte le reconquérir, donc... Ah bah il faut, hein. Bon après, je pense que comme tous les hommes, il a besoin peut-être de respirer. Oui, mais bon, voilà. Les hommes, faudrait qu'ils comprennent un jour que les femmes, elles souffrent à cause d'eux, c'est ça? Ah bah ça... Nous, on donne tout, on est fidèles, on les aime, on les protège, mais eux, c'est... C'est loin d'être le cas, voilà. Hein. Je ne demande pas qu'ils me disent qu'ils m'aiment tous les 5 minutes ou qu'ils me fassent des câlins toute la journée, c'est simplement sa présence en fait. Son parfum, ses yeux... Voilà, son sourire... Voilà quoi. Tout ce qui fait que vous l'aimez tendrement. Ouais. Marie prend conseil auprès de ses 2 meilleures amies, mais les jeunes femmes ne sont pas d'accord sur sa situation. Fanny voudrait qu'elle oublie ce garçon et tourne la page. Laetitia, elle, est persuadée que c'est l'homme de sa vie et qu'elle doit continuer à s'accrocher. Franchement, les filles, je dois écouter qui entre vous deux? Toutes les deux, vous avez un avis différent. Je fais quoi, moi? Ouais, mais regarde, tout ce qu'elle a accepté, c'est une preuve d'amour, non, quand même. Je suis désolée, c'est pas une preuve d'amour. Je veux dire, pour preuve d'amour, il y a mieux que ça, quoi. Je veux dire, c'est à lui, déjà, de changer. Bah, preuve d'amour, je pouvais pas faire plus. Fanny, tu sais, j'ai accepté l'infidélité, j'ai accepté sa façon de vivre. Bah, justement, t'as pas accepté tout ça. T'es pas bah, si, ça s'appelle de l'amour. Bah, non, ça s'appelle de l'amour. C'est être soumise, hein. Écoute, franchement, écoute-moi, tu verras, il reviendra. Tu m'as toujours écouté jusqu'à maintenant. Ouais, il reviendra, il lui promettra de nouveau Monts et Merveilles, et puis il la larguera de nouveau comme ça, et c'est qui va la ramasser à la petite cuillère? C'est nous. Pour Fanny, Marie a déjà perdu 2 ans de sa vie à espérer reconquérir son ex. Tu vois pourquoi tu t'accroches tant comme ça? Putain, t'es jolie, il y a des regards, les garçons, il y a des beaux garçons, tu peux trouver quelqu'un, je sais pas, moi, arrête de t'accrocher comme ça. Ouais, mais c'est pas les autres que je veux, c'est lui. C'est comme tu vas comprendre. Oui, mais bon. C'est lui, c'est personne d'autre. Elle est belle, la robe. Tu crois que ça lui plairait, un truc comme ça? Franchement, laisse tomber. C'est pas parce que tu changes d'apparence que ça va changer grand-chose. Hein. Bah si, tu sais, quand tu changes l'intérieur, plus l'extérieur, si je deviens comme il aime, physiquement et moralement, ça fera peut-être un plus, il se dira, regarde tout ce qu'elle fait pour moi. Attends, toi, tu l'aimes pour son intérieur ou son extérieur? Bah les deux. Bah voilà, bah, je suis désolée. Les deux? Ça fait super féminin en fait, c'est bien, c'est tout ce qu'il aime en fait. T'as vu ses pantalons là? C'est Fanny, faut que tu comprennes un truc, s'arranger physiquement pour la personne qu'on aime, c'est normal, je veux dire, tu vas essayer de faire. Mais ça, je dis pas le contraire, je dis t'as raison tu d'être belle, de lui plaire, c'est... Mais bon, je suis pas sûre que ça change grand-chose, quoi. Ça te fait rien qu'il aille voir ailleurs comme ça, je sais pas, ça te... Bah si, je suis pas un glaçon non plus, je veux dire, j'ai un cœur, j'ai pas une pierre, c'est sûr que ça fait mal, mais la douleur à comparer... Ça fait mal, mais t'acceptes. Oui, mais la douleur que j'ai en le perdant, là, je suis séparée, j'ai 100 fois plus mal que s'il allait voir ailleurs. Là, j'ai son bracelet qu'il aimait porter, tu vois, c'était son bracelet préféré. Et en fait, quand je l'ai dans la main, j'ai l'impression d'avoir un bout de lui avec moi. Ouais, mais je suis d'accord, c'est mignon, c'est chou, c'est... Tu crois pas que c'est un petit peu abusé, je sais pas. Toi, tu t'accroches autant à lui, alors que lui, tu sais pas s'il a autant envie de s'accrocher à toi, tu vois. C'est peut-être pas la bonne personne pour toi, tu vois. En janvier dernier, Marie a quitté sa famille pour prendre un appartement où son ex pouvait la rejoindre quand il le voulait. Un appartement où désormais elle attend sa venue, sans illusion. Elle téléphone au meilleur ami de son ex, dans l'espoir qu'il lui rapporte un mot, un signe auquel elle pourrait se raccrocher. Ouais, écoute, je m'excuse de te déranger, mais en fait, je voulais savoir si tu l'as vu et si t'as parlé de moi, tout ça, si t'avais eu... Je l'ai vu le week-end dernier, on était ensemble. Oui. Non, il m'a pas parlé de ça, non. Il t'a rien dit sur moi, il t'a pas dit qu'on se voyait, tout ça, rien? Non, non, écoute, il m'a pas parlé de ça, quoi. D'accord. Bonne soirée. Ok, toi aussi, bisous. Salut.
Salut. Bon, apparemment pour lui, la vie, elle continue, hein. Il a eu ce qu'il voulait, maintenant il est heureux, il est tout seul, il a plus de corvée sur le dos, donc voilà. Ça m'embête un petit peu, j'aurais aimé qu'il parle de moi, qu'il dise ouais, bah c'est sûr, elle l'a mal pris, ou n'importe quoi, mais qu'il ait parlé de moi. Mais c'est pas le cas. Depuis leur séparation, Marie se prête à un curieux rituel amoureux. Chaque soir, avant de se coucher, elle prend sa voiture pour se rendre devant la maison de celui qu'elle aime et lui adresse un dernier signe. Donc voilà, c'est là que je viens tous les soirs pour me sentir un petit peu plus proche de lui. Donc en fait, c'est là qu'il dort. Et ben, je viens pour lui dire bonne nuit, pour qu'il fasse de beaux rêves, pour qu'il se repose, tout ça. Voilà. Bonne nuit, mon amour. Pour Marie, il est impossible de passer une journée sans voir son ex. Alors, depuis leur rupture, chaque jour, elle monte dans le bus que conduit son ancien amant. Ça me prend à peu près 1h20, c'est 1h20 de ma journée avec lui. Et c'est le moment où j'ai un peu de soleil, on va dire. Pendant le voyage, Marie cherche à obtenir des réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose. J'espère que tu t'attacheras jamais à une autre, j'ai pas envie de te perdre. Hein. Si jamais tu fais rien, tu passes à la maison. Hein. Malheureusement, son ex reste très silencieux. Rien dans ses propos ne lui laisse entrevoir un espoir. C'est la fin du service. Après avoir passé plus d'une heure à ses côtés, Marie n'a pas réussi à trouver les mots pour le reconquérir. Aujourd'hui, pourtant, il lui a fait une nouvelle proposition. Marie pensait déjà avoir accepté l'inacceptable, mais il la met à nouveau à l'épreuve. Sans doute pour décourager son ex, trop amoureuse. Bah là, il m'a mis un petit peu les nerfs. Il m'a sorti une chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Une drôle de proposition. Je suis dégoûtée. Il me prend vraiment pour une conne. C'est bien le cas de le dire, excusez-moi du terme, mais... J'ai les nerfs là, J'ai même plus de sentiment de tristesse ou d'envie d'être avec lui. J'ai envie de... Voilà, j'aimerais bien l'oublier là, du coup c'est... Je me demande pourquoi j'ai fait tout ça alors que bah, il s'en fout bien de moi. Ça se voit de plus en plus, il s'en fout. C'est des choses qu'on propose pas à une personne qui a des sentiments. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Son bracelet. Son bracelet ? Mm-hmm. Tu peux le garder ? Non. Vous gardez toujours son bracelet pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, l'émission n'est pas terminée. Je vais vous présenter nos invités, vous nous dire dans un instant quelle drôle de proposition il a pu vous faire pour vous mettre dans un état pareil. Je ne sais pas la réponse en plus. Parfois on prépare, on sait à peu près ce que les invités vont dire à peu près, jamais tout à fait complètement. Mais là, j'en ai absolument aucune idée. Marie, qu'est-ce qu'il vous a dit de si terrible votre ex à la fin de ce reportage ? Vous étiez dégoûtée que c'est tout ça ? Il m'a fait une proposition. Je peux pas rentrer dans les détails par rapport... Ah, mais là, ça va pas être possible. Ou... par rapport à plein de choses, mais c'est... Non, on veut savoir, Marie, là, c'est pas possible. Je vais m'asseoir au dos. Bonsoir, Tom. Non. Je plaisante. Gardons chacun sa place. Vous avez toujours ce bracelet dans la main ? Oui. Bah, il me quitte pas. Hein. Qu'est-ce qui peut vous avoir dégoûté comme proposition ? Une proposition... Vous a pris pour une... Conne, vous avez dit. Ouais, même pire que ça, pour pas rentrer dans les termes très vulgaires. Mais c'est une proposition... On a un extrait du reportage. C'est une proposition qu'on fait pas à une personne qui a des sentiments. Ceci est un premier indice. Si vous êtes chez vous, prenez votre téléphone. Marie, qu'est-ce qu'il vous a dit, Marie ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? En gros, il m'a proposé du fait de ses origines. Quelles sont ses origines ? Bon, lié à sa culture. Voilà. Il m'a proposé une sorte de vie à trois. Que lui aille se marier dans son pays et que moi, enfin, on vive avec sa femme sous le même toit. Comme ça, moi, j'ai de lui, il a de moi et de sa femme. Et...